là. Comment tu as vécu ce magnifique match aujourd'hui? Ouais, c'était un match assez compliqué. On savait que Knock venait ici avec une confiance. Et voilà, on a beaucoup travaillé pendant la semaine et on a respecté les consignes du coach. Et ça s'est super bien passé. On a vu des guerriers sur le terrain et on a beaucoup fait pour que l'équipe puisse remporter ce match. Quel était l'objectif pour le match aujourd'hui? Des choses spécifiques? Tous les matchs, on a toujours un objectif, c'est de les emporter, prendre plus de points possible et aller rester plus haut de ce classement. Et c'est ça le plus important, l'objectif tous les week-ends, c'est gagner les matchs. Après 10 matchs de cette saison, comment tu sens le groupe? Ouais, le groupe, on est super bien ensemble, ça se passe super bien, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain d'entraînement, tout se passe super bien et il n'y a pas de problème dans le groupe. Aujourd'hui, une première mi-temps avec beaucoup de volonté de votre part. Vous avez mis la pression à Knock directement. Il y a beaucoup d'occasions, mais au final, là, vous prenez un goal. Après qui a joué un peu, qu'est-ce que tu penses de ce goal? Ouais, c'était un goal qu'on a pris un peu, on va dire, un peu stupide parce qu'on n'a pas été assez attentif derrière. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais il faut essayer de corriger ces erreurs-là le plus rapidement possible pour en faire moins et puis voilà. Après, vous mettez directement ce goal, ça vous libère ensuite? Ouais, ça nous a libéré, le goal de Jean-François, ça nous a vraiment boosté encore plus pour montrer encore plus. On avait l'envie et on savait que le deuxième goal et le troisième, ça allait tomber et on a resté confiants et on a travaillé ensemble. Deuxième mi-temps, vous voyez encore plus, au final vous mettez encore un goal, c'est magnifique. Ouais, c'est super, donc c'est comme j'ai dit, l'équipe on a travaillé ensemble, on a fait les efforts ensemble, et puis voilà, il faut souligner le travail collectif et c'est ça le plus important. Ça fait du bien de gagner. Ouais, ça fait toujours du bien de gagner parce que si on monte sur le terrain, c'est pour gagner, donner du plaisir à toutes ces personnes qui viennent voir les matchs parce que c'est des gens qui laissent leur famille ou leurs enfants à la maison mais qui se déplacent pour nous. Donc ça fait toujours plaisir de leur donner le maximum de plaisir aussi sur le terrain. Aujourd'hui, le groupe a joué beaucoup sur le côté droit avec Anthony Boba. Toi qui es sur le côté gauche, qu'est-ce que ça t'a fait? Tu penses que ça pouvait être plus efficace alors sur le côté droit que sur le côté gauche par rapport à sa vitesse? Non, c'est la même chose. C'est Anthony, il a énormément de qualité et tout ça. Donc voilà, c'est un peu les consignes du coach aussi. Donc voilà, mais sinon, avec Anthony aussi, ça se passe super bien. Et quand on joue de son côté, et si on marque, c'est le plus important. Tu t'intègres bien dans le groupe depuis le début de saison? Ouais, l'intégration, ça s'est fait facilement. Et je suis quelqu'un de très, très calme et respectueux. Donc directement, les choses, ça se passe super bien. Et puis voilà, je suis super bien avec le groupe et tout se passe bien. Comment tu te sentais avant le match? Ah, je me sentais super bien et confiant parce que voilà, on a beaucoup travaillé pendant la semaine et ça nous tenait à cœur de remporter le match aujourd'hui parce que pendant la semaine on travaille beaucoup et tout s'est super bien passé. Des grosses équipes pour la suite, vous sentiez confiant pour le prochain match? Ouais, c'est toujours comme ça, il faut être confiant après match et tout ça, donc voilà, on sait que le plus dur ça reste à venir, mais si on travaille en équipe et on donne tout, on travaille, il n'y aura pas de limite en fait. Quel est votre objectif actuellement par rapport au match pour le classement? Ouais, pour le moment l'objectif ça reste que voilà, on doit prendre match après match, pas se prendre la tête et se mettre la pression. Essayer de remporter plus de matchs possibles et au fur et à mesure, on verra la suite. Et tout se passe bien pour la suite. Merci pour l'interview. Merci, avec plaisir.